Matière de plein souffle pour que nous baillons le Seigneur gloire, honneur, louange, exaltation que lui-même seul mérite. Et moi, je vraiment apprécié l'introduction matin. Et côté après les papas, c'est important avant trop tard. Amen. Et si y a. Il y en a parmi nous qui pour qu'on connaisse le Seigneur, eh bien, profitez l'occasion ça, avant le trop tard. Et je dis à ces jours, salut pas, ces jours, délivrance pas. C'est pour saisir l'occasion, avant le trop tard. Parce que si la mort est frappée, ça va être vraiment foutu, ouais, ça va être vraiment terrible. Et ça va être vraiment fait que ça fait vraiment regrettable sous ta mourir sans le Seigneur. Matin bien-aimé, nous sommes et au dernier dimanche du mois de mai. Eh bien, déguster le manger savouré, mais il était accroché avec thème ça, bien-aimé. Que nous jouons dans Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et la soumission est conditionnelle. Matin, bien-aimé, moi, l'aime fin de tout prédicateur, prédicatrice, et nous sentis que nous plaît avec thématique ça. Et d'après tendez avec soin notre ami, notre collègue Jacques Saint-Louis, qui tabaye en méthode au bonheur que nous devons gagner stratégie technique au bonheur, et bien pour que nous avancions sur l'ennemi. De vraiment apprécier ça. Mathieu, bien-aimé, autour de thématique là, on regarde les résultats, promesses et victoires dans la soumission inconditionnelle. Amen. Et les moins gardés dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, et le Seigneur Jésus dit à l'Église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dans la lettre de Pierre, dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, et dit qui est à la droite depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Matthieu, bien-aimé, nous te ouais, je t'ai passé, yo. Et âmes que le Seigneur ban nous pour nous lutter, bataille, combattre avec ennemi. Est-ce que ennemi ça sont ennemi nous ouais avec Dieu non? Est-ce que son ennemi nous capable toucher? Et comme quoi moi avec nous en mesure pour nous dire non? Et l'ennemi, l'adversaire, le dragon ancien, le serpent ancien est invisible. Pas de monde qui est capable de toucher lui. Et ça fait faut nous et chercher plein bataille là pour nous capable de gagner, pour nous capable de prendre victoire. Nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41, il dit veillez, priez.
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Souvent, nous toujours prenons fin texte là, nous dit la chair est faible, mais nous pas jamais dit l'esprit est bien disposé. Et c'est pas pour ça raison, bon Dieu tellement connaît ça, li kon ba bless yo, kon petit test yo, li toujours ou elle li connaît l'homme, li tripartite puisque c'est lui qui crée l'homme, ou elle met l'esprit avant. Ouais. Li mette l'esprit avant, après ça li mette nom nan, après ça li nou jwenn corps. Et li mette l'esprit pour capable diriger en fait l'autre deux parties yo. Qui âme et corps. Matin ou comprendre et texte lo habitué yo, c'est pour toujours chercher mots qui font dans texte. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, notre Seigneur, en tant que bois vert, eh bien, nous garder dans le livre Matthieu, toujours, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, et à partir du verset 1er et au verset 10, eh bien, notre Seigneur, il a subi trois tests de de tentation face à l'ennemi. Et alors, faut nous pas oublier puisque c'était notre Seigneur homme. Alors, on connaît que après les fins de jeûner 40 jours, 40 nuits, et puis ennemi après l'approche li pour dire li mais vous sa yo, et ben faire retourner paix parce que li connaît que la besoin et manger la besoin nourriture et nous voir comment li te répondre et ça fait mande pour regarder texte là avec Dieu pas. Et deuxième alors en fait pour vous dire que il répondait mieux avec la parole. C'est avec la parole. Et pas oublier la parole là c'est l'épée de tranchant. Bon, mais c'est l'épée même en fait de l'esprit la parole. Et deuxième test ça il transporter lui. Et puis après ça, lui montrer ça pour le bali, et puis après ça, qu'on a lui demandé le qu'on a pour le jeter col en bas. S'il c'est petit bon Dieu. Il répond toujours avec la parole. Et troisième test là, lui demander pour lui mettre à genoux, pour le prosterner, pour l'adorer, après ça, pour le bali, royaume. Bon, voilà que l'ennemi, l'adversaire, le dragon, le serpent, il n'a pas créé rien. Et puis voilà que dit bon Dieu pour procéder devant. Et bon Dieu répond. Il dit c'est moi-même seul qu'on doit adorer, c'est moi-même qui bon Dieu. Maintenant, bien-aimé, moi demande pour regarder ce texte-là. Gardez-le avec soin. Et bon Dieu te répond. Et Satan. Dans la première test de tentation, il est écrit. Et puis, le Seigneur a dit, il est aussi écrit. Et gardez pour Satan pour le répondre, pour dire lui-même à bouche partout, il est écrit. Alors c'est pour montrer que le diable, l'ennemi, il connaît la parole. Et ça fait. Samis l'embrasse dit dans Psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi seul.
dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Matin, bien-aimé, ou pas gagner l'autre constitution, l'autre statut, sinon que la Bible, comme boussole, comme livre de chevet, ou t'as qu'à étonner, et même des vins, même ongan, même maçonloge, même astrologue, yo gen bib. Et ça fait au besoin pour parole ça écrit dans cœur à grand écriteau. Pour parole ça rester accroché dans cœur. Et c'est pas pour ça raison dans début intervention moi nous t'es allé dans Éphésiens chapitre 6. Nous t'es commencé à partir du verset 10 jusqu'au verset 17 pour nous t'es bon amis. Verset 11, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et quelles sont ces âmes? Nous t'es ouais vérité pour ceinture. Hein? Nous t'es ouais courage, nous t'es ouais courage en fait de la justice. Nous t'es ouais le zèle que donne l'évangile. Hein? Le casque du salut, bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Hein? Et nous faites en tout temps toutes sortes de prières et supplications. Alors, matin, moi conseil moi pour vous, c'est pour bien utiliser les âmes. Et c'est pour libérer chaque jour. Et puis, demandez bon Dieu esprit de discernement. Demandez bon Dieu esprit de bonne compréhension pour capable prendre la parole. M'encourager. Et m'y en liguer zam tout. Mais zam bon Dieu, bon nous, non seulement zam ça yo défensif, mais à la fois tout offensif. C'est ça que m'mande ou, pour capable mieux vraiment faire et servir avec zam ça yo. M'encourager au matin. Matin, bien-aimé. Si nous gagnons des âmes, non, ça montre que nous en guerre avec un ennemi que nous pas ouais. Nous ennemi la cherche écoute car nous te ouais ça avec maintenant 1 Pierre chapitre 5 dernière verset 8. On va voir. Et nous te dit soyez sobre. Et notre adversaire le diable Wood, hein, cherchant qui, alors en fait, il dévorera. La chercher pour l'éteindre nous, pour le finir avec nous. Mais ça qui est important, bon Dieu Brésil plus bas, résister lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Ouais, la foi, c'est son âme qui est importante. C'est pour qu'il pour la foi dans le bon Dieu. Qu'il y foi. Maintenant, nous encourageons au monde pour ne pas quitter l'ennemi, ça. Manger foi, manger foi. Finir avec foi. Maintenant, Paul l'a conseillé à Timothée. L'étape mandé comment pour lui mener combat et mener bien combat. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 6, là, verset 2, là, il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et quelle confession! Quelle belle confession! Matthieu, si vous obéissez, si vous soumettez, si vous résistez, eh bien, vous avez un résultat
ou a une promesse là et ou a une victoire là. Et nous encourageons au matin si ou résister, eh bien, tout ça y a réservé pour. Et au soir, eh bien, Paul Liprasi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui connaissent, qui acceptent le Seigneur pour leur sauveur et Seigneur personnel. Matéen, si il y a un monde qui peut connaître le Seigneur matin, nous invitons. C'est une question de jusqu'au bout. C'est une question de jusqu'à la mort. On va comprendre que le Seigneur l'a dit à l'église d'Esmyrne. Dernièrement, nous avons cette église-là. Et nous avons dans cette église-là, il y a deux églises que le Seigneur n'a pas reproché. Et nous avons ensemble avec moi, c'était l'église en Smyrne et l'église en Philadelphie. Et voilà que le Seigneur l'a dit à l'église de Philadelphie, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. De 10 jours. 10 jours là, ici, il est symbolique. C'est 10 ans. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Là où est le résultat là. Résultat, ou est promesse qui t'est faite là? En dans soumission. Matin, promesse ça, li pour moi, pour vous, matin. Et l'auteur du cantique 146, eh bien, li chanté, nous te serons fidèles. Nous te seront fidèles jusqu'à la mort. Est-ce que vous t'aimez en chanter cri de guerre ça? Est-ce que vous t'aimez rester accroché pour ça? Et l'offre qui te service à matin, m'invite au bois chanter cantique ça. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Oh mon Dieu, t'es joué sous l'église des Smyrne. Parce que l'État connaît au moment difficile. Et l'église de Smyrne, nous t'aimons dire que l'église d'Alte connaît, lui prend naissance à Jérusalem. Et en ce qui a trait à l'évangélisation, lui vient tomber en Europe. Et là, les tout à Rome, tout. À Rome, t'es gon l'église évangélique, t'es gon l'église chrétienne. Et yote l'église qui t'a à Rome, elle pral connaît 10 grandes persécutions. Et par 10 empereurs. Et quels étaient en fait ces empereurs? Eh bien, les nous garder. Néron, dans les années 64-68, à 64, il dit Néron, t'as fait la une. Et M. Pralmou, en 68, il y avait Nerva à l'époque, et 96-98.
pour aller entre l'argent, 98, 91, il pourrait aller à Adrien, et 98, 117, et nous pourrait aller gagner, on s'était entonné, 117 à 138, et nous pourrait aller gagner, empereur et qui était mouz écouter Mbralia c'est non ou c'était Marc Aurèle pour aller régner 162 à 180 et je pourrais dire c'est sous règne Marc Aurèle que Polycarpe qui était pasteur à l'église de Smyrne li pral connaît la mort. Yo te mandé pour le régner bon Dieu. Il te mandé pour le régner le Seigneur, il dit non. Depuis m'accepter le Seigneur, il faut que je me fasse marier et pour qu'il ça demande pour me régner lui. Et pour ça demande pour me nier lui. Il dit non au grand jamais. Je préfère mourir et au péril de vie en fait Polycarpe. Et mais il a tué lui. C'était dans l'an 77. Il a brûlé M. Vif. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Résultat, promesse et victoire. En dedans soumission. Et en fait, l'étape avancée, nous pouvons lui même s'estimer et sévère. Et l'autre corps, l'autre point. Ou bien, après ça, on va un décius. Mais côté me arrive avec au matin, c'est dixième point là. En fait, c'est Dioclétien. Dioclétien, c'était un fameux empereur, ou empereur sanguinaire. Et il prend un beau fils qui est les galères. Il pourrait aller sous recommandation la galère, il pourrait demander Kounia pour être capable de son décret. 24 février, en fait, en 303. Au bon moment, il s'était rayé 284 à 305. Et il a accusé Kétien. Il a dit que c'est le monde qui faut. Raison, c'est parce que il n'a pas voulu tomber dans l'idolâtrie. Mais il n'y a pas voulu tomber en fait en superstition. Mais il n'y a pas voulu adorer l'image. Eh bien, il faut qu'on dise que si on te connaît, 10 ans de persécution. Et ça, comme d'où, ça c'est vraiment terrible. Ce n'est pas 2-3 chrétiens pour ça que tu es mouru. Alors, c'est pour me tourner en fait dans le texte là. Dans après 2 verset 10 là. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. Jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours là était 10 ans ça. Amen. De l'an 303 à 313. 10 ans de persécution. Que le guise avait défoncé qu'on est. Matin, bien-aimé. Ah, être chrétien, c'est pas un simple personnage, non. C'est d'accord pour souffrir pour le Seigneur. Là-dedans, il y a une victoire. Là-dedans, il y a un résultat. Là-dedans, il y a une promesse, là. Et le Seigneur dit dans la parole, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pas pour cette raison, dans la première intervention, moi, nous t'es chita et dans la première méditation, non. En fait, nous t'es pour faire 3 grands actes. Le monde, la chair, et puis le diable, et puis l'ennemi. Ou bien pour goumer, ou bien pour résister face avec toi, intrusaillot. Et pas pour ça, le Seigneur dit, n'aimez pas le monde et les choses en fait qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, nous encourageons, bien-aimés.
pour soumettre, pour obéir, pour que tes yeux ouvrent sur le Seigneur. Et en dans obéissance, on a bien un résultat positif. On a bien un bénéfice positif. Promesse ou à la positive. Victoire ou à la positive, Mathieu. Et nous encourager. Et sur le plan scatologique, nous pouvons regarder le texte là. C'est dans Apocalypse 12, verset 17 là. Il dit, le dragon fut irrité contre la femme. Hein? Contre la femme. La femme ici fait référence à la nation d'Israël. Hein? Et il s'en alla faire la guerre au reste, en fait, de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est que ça. Application, c'est pour deux milliers. Mais c'est pas pour nous, aujourd'hui comme présent. Mais c'est pour deux milliers. Mais maintenant, nous-mêmes qui avons gardé la parole là, nous-mêmes qui avons témoignage là. Parce que là où elle a parlé là, la femme ici symbolise la nation d'Israël. Sur le plan scatologique, eh bien, ça fait référence surtout à la grande tribulation. Mais ça, il fait référence surtout avec, je suis capable de dire, en fait, mon en fait, qui va pas accepter ce bête-là. Mon qui va accepter pour couper bras, pour couper tête-là. Mon qui accepte en fait, pour mourir martyr. Et où matin. Et c'est ça le Seigneur veut échapper ou. Ou d'accord pour obéir ou d'accord pour soumis à la parole de Dieu. Matéa nous encourage ou. Que le Seigneur lui fasse grâce. Que le Seigneur permet que vous êtes accroché à la parole là. Que le Seigneur permet que ou libibou ou connaît la parole ou kembe zamou yo ou bien utiliser zamou ou bien servir avec zamou yo. Matéa nous encourage ou. Si il y a un monde qui peut connaître le Seigneur, profitez de l'occasion ça. Et hier soir, les réseaux sociaux, ça peut aider à comprendre nos bagailles. Une dame, et elle est en fait de Gonaïve, eh bien, dans sa vie, diable a transporté lui son docaïmoun, eh bien, faut nous taouer ça bénin. Yo décapité dame là. On a l'hôpital lié qu'on a là pendant l'hôpital là et puis qu'on a metté l'enchaîne. Est-ce qu'on peut comprendre bénin? Et puis mais c'est qu'on a la chercher la demande qu'on a pour l'église qu'on a. Est-ce qu'on comprend? Il parlait de mystère, parlait de loi, parlait de toute bagaille. Vous comprenez? Alors ouais, où en fait l'on observe le diable? Eh bien, diable camé tout son pied bois, il vire d'eau. Il vire d'eau, lui. Et puis, il quitte son pied bois. Vous voyez? Et nous te connais l'histoire avec Gouyel Marie là. Vous voyez? Bon, diable qui mettait et dame ça avec son sans fil là, et puis il vire d'eau. Alors, Mathieu. Ouvrez yeux pour servir le Seigneur. Nous encourageons, matin bien-aimé. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Shalom, shalom. Bon dimanche.